Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 1 du Let's Play sur South Park, le bâton de la vérité. Donc, on va y aller tout de suite, hein, on va pas commencer à... Alors, démarrer une nouvelle partie. Je me devais faire... voilà. En tant que Monsieur Butters, Mr. Butters. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the drow elves can manipulate his man, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Alors, on va créer vite fait notre... notre bonhomme. On va faire blanc, hein. On va essayer de lui mettre une coupe... j'ai un peu cette coupe là. On va mettre en mode RPG, donc on va lui mettre les cheveux bleus. Je vais voir vite fait les vêtements. Ah, mon pote d'Arpice, il avait mis comme ça. Ouais, je vais faire ça. Hop. Ouais, rouge, c'est bien. Comme ça. Des défauts sur ça, sur cette tête. Ah, la petite larme sur le côté là. On va mettre ça. Non, on va pas lui mettre de lunettes. Voilà. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for... him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but... son, do you... remember why we moved to this quiet little mountain town?
He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Pardon. Donc, bah, nous voici arrivés dans notre chambre. Donc, moi, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Donc, c'est du... Là, on peut courir. Là, on peut rien faire. Là, je suis trop grand. Ok, on va ouvrir ça. Petit sac. Des sous et des cartes de baseball. Donc, on prend tout. Bon, bah, on est parti, hein. En route pour cette nouvelle, pour cette aventure. On peut pas aller dans la chambre de mes parents. On peut pas aller dans les toilettes. Hop. On fouille. Une éponge. Tuyau. On prend tout. Yep. On peut pas prendre. On fait son caca. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on récupère. Bon, ça c'est de la douche. Allez, on est parti. On va aller se faire de nouveaux amis. Ah, ici, il y avait un sac là. Prends ça. Prends ça. Go on outside, sweetie. Hop, on prend la maman. Là, il y avait de la thune. On peut ouvrir le frigo. On parle à papa. Come on, son, get out there, make friends. Ok. Hop. Une coiffure. Ok. On est parti. Welcome to South Park. Alors. Ici, j'ai vu qu'il y avait. Je peux pas le péter. Ah oui, il faut, faut peut-être une arme. Ouais, je crois qu'il faut une arme. Il n'y a rien. Là. Ok. Alors, c'est du... C'est du MMORPG, hein. Donc, comme tout bon MMORPG, bah... You shall die by my Warhammer, Drow Elf. I banish thee to the forest realm. That way, I banish you first. Haha! You can't hold out much longer. Help! Somebody! I can't hold out much longer. Help! Donc je vais. Oh putain! Out! Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Ah voilà. Notre premier ami, Butters. Ouais. Ouais, on a ça. On a tout ça. On a tout ça. Et on a tout ça. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? You like Colorado? Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Don't talk to her. She's not part of the game. Elle fait pas partie du...
Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. My loyalty is as incurable as my diabetes. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Bon, alors, comme c'est une sorte de MMORPG, je mets mon nom de MMORPG, puisque je vais pas m'appeler Mr. Butters, vu qu'il y a déjà. You entered Douchebag, is that correct? Tu as saisi connard, c'est bien ça. Non. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Le pseudonyme connard, non. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Alors, j'ai déjà fait une partie solo avec le guerrier. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough, Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Mon pote Dark Mist a déjà fait la vidéo avec la catégorie juif. A white thief? Never heard of one, but interesting. J'avais décidé de prendre voleur. Oui, je vais faire un voleur. Donc oui, comme je vous disais avant que... De toute façon, là on est en phase tutoriel. C'est un MMORPG, donc comme dans tous les MMORPG, j'aime beaucoup fouiller, tout partout. Donc je vais énormément fouiller dans le jeu. Ok, c'est parti. We welcome to our kingdom, Douchebag the Thief. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and... Donc on va aller chercher des armes. Personnaliser, donc là on peut pas. Équipement. Y'a rien. Armes. Il est déjà pas mal. Et nous, c'est la dague de voleur. Faire un PP en cas d'attaque parfaite sur une cible en sang. Ça tape 3, ouais, pas mal. Ok, on prend. Ah, a lovely purchase. Non, gauche. On va l'équiper. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne ça? Défense réduite en cas d'attaque contre les cibles en sang, ouais. Augmente les PV max de 5 et rapporte 10% d'argent supplémentaire. Ouais. Boucle de karma maléfique. Ok. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Donc, on choisit. Tac, j'appuie. J'appuie. Oh hell yeah, Clyde's your bitch!
All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Ah! Oh, shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Prepare yourself. Yeah! Ah. No, no, I said protect. Protect your bows. Suck it. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Donc on va lui faire une magie, enfin une attaque. Se plante dans le dernier ennemi. Come on, fight. Ouais, on va faire ça. Ah! Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. This is unblockable. Oh là là. Oh! I dodged that. You were all like, beam, and Clyde was all like, nah, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Alors. Ça, c'est le bâton de la vérité. Douchebag, come help us! Ça, c'est le trône de fer, enfin le... Ça, c'est la ville de South Park. Kenny, ok. Ok. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the Stick of Truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! You're a douche. Ugh. Ah! Butters! Do it, douchebag! Kick these elves' asses! Alors, le blocage. You're wounded, douchebag! Potions will heal you here! The rules say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Feel my wrath! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him! Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Kiss my ass! Yeah. Great job, douchebag!
récupère, t'as quoi ça, ça? Kick their asses, new kids! I got you back! Dave! T'es pas better, ça. You got this, douchebag! Fuck you! Ok, riposte. Eat shit! Ah, à chaque What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass! Man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Douchebag, use your arrows. Take out the archer. Do what I say or you can't play anymore. Bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Fuck this shit. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Ennemi en posture de rang ou sans prise d'attaque. Okay. Ow! I'm out. Hop. Great job, douchebag. Pété ta gueule. Swear to God, Scott, if you keep Tiens. Let's do this, douchebag. You're on the riposte. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Miss me! Hell yeah, that's how you do it. The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Ooh. That's it. Now finish him. Ah oui, d'accord. Quand il y a le truc en haut à droite, c'est le truc. Et... Drow-elf, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde? You are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, we sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Donc on est parti. Et on a The Tours dans notre groupe. You kids be careful now! Hop! On est amis avec la dame. On a un arc. Qu'est-ce qui fait dégâts supplémentaires efficaces contre les armures? Ouais. Tire 3 projectiles critiques. Ouais, ça c'est bon ça. Voilà. Zut. Alors, aptitude.
Ce plan augmente les dégâts de vos attaques coups dans le dos. Ça c'est quoi, agression? Ah, je vais faire ça pour l'instant. Encore trois amis, ok. On va les fouiller. C'est parti. This is the king's room. I don't think we're supposed to be in here. What exactly are you looking for? C'est De quoi j'ai une quête à faire? C'est quoi? C'est quoi? Ouais, je dois aller voir Craig. Je dois aller chercher Token et Twig. Ça c'est vous l'avez dû la reconnaître, c'est Poli Petit Pois, voilà. Il y en a des choses lui. Double menton. Prends tout. Il a pété sa voiture. Ah, je vous laisse. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode, c'est des êtres de la mer, un truc comme ça, où il met du sperme dedans et après il a toute une civilisation. Et je vais souvent expliquer tous des petits, comment on appelle ça, des références à tous les épisodes de toutes les saisons. Enfin, toutes celles que j'ai pu voir, j'en ai vu beaucoup. Et bah donc là, vous en voyez plein. Quand il fait la fête, là il y a le panneau. On doit avoir un souvenir. Ici, c'est quand il fait ses photos au parc, une sorte de restaurant, attraction, machin. Ça, c'est son casque quand il fait les jeux paralympiques. Il y a son CD de disque d'or ou disque de je ne sais plus quoi quand il fait son rock, le rock de la foi, son costume de robot génialo. Bon, ça c'est les élections, là c'est son truc un peu tortue ninja. Je me souviens plus de tout. Là il y a son costume de The Coon, du Coon et sa bande qu'on va retrouver dans le prochain jeu, South Park la main du destin. Ouais, puis voilà. Ah, je vais enlever ma souris, tac. Hop, allez, on est parti. On va fouiller un peu partout. Oh, j'ai vu quelque chose. On va fouiller la table de Madame Cartman, un slip, des espèces, des... Voilà. Des dildos. Pas crack. Encore. This is where the magic happens. Last week, Cartman's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. J'avais pris ici. Normalement, il n'y a rien. Je vais récupérer ça.
Je suis en train de récupérer des choses que je vais pas utiliser, mais. Ça m'éclate. Bon, allez, on y va. Parce que tous les petits trucs qu'il faut récupérer, en fait, je peux les vendre, en fait. That's not really that nice. Oh, whoops, I'm sure that was an accident. Je peux revendre tout ça. This is where Parma does magic. Smells like the wizard is brewing some potion in here. Some wizard stew. Oh, looks like he forgot the flush stew. Bon, allez, on y go. Là, il n'y a rien. Hop. Allez, on est parti. On continue de fouiller, mais tout en avance. Ah, j'avais déjà pris. Quel con. Alors. We aren't allowed to go into the street. It's such an open world, our parents don't want us getting hurt. Teinture. Barbe d'enchanteur. Ouais, on va prendre tout ça. But those are holy items from the Orient. Legend has it that he who can collect enough will be rewarded. J'ai trouvé mon premier Shin Pokémon. Ça, c'est fermé. Oh. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladin seek justice for all races. Si vous l'avez reconnu, c'est le général Désolation. C'est un pote à Butters. Bienvenue chez Butters. Behold the residence of Butters the Merciful. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Ah, this must be the new kid. We're playing, Dad. Good for you. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Je fouille d'abord et après je vais mettre mon point. Welcome to my room. Alors, je vais le faire tout de suite parce que ils sont relous, eux. Voilà, donc je peux le mettre ici. Alors, on va regarder vite fait. Subissez bien moins de dégâts lorsque vous... Ouais. On va pas le mettre tout de suite. Hein. L'air de la provocation, infligez des dégâts supplémentaires sur les ennemis. Subissez moins de dégâts de leur part. Non. Les attaques de votre arme à distance infligent des dégâts supplémentaires. Infligez des dégâts supplémentaires aux ennemis en flamme. Subissez moins de dégâts de leur part. Votre santé maximum augmente de 20%. Le recours des objets soins. Décuple provisoirement les dégâts. Les attaques infligent des dégâts lorsque vous êtes seulement blessé. Infligez des dégâts supplémentaires aux ennemis. Frappez de saignement et subissez moins de dégâts de leur part. Altération qui prend des gaffes durant le tour. Je vais prendre ce jeu tout de suite. Fameux Shin Pokémon de... Boops. Les fameux Shin Pokémon de... Those are my minions. They help me punish society. Clé du repère du professeur K.O. Donc, ah zut, qu'est-ce que je disais? Oui, les Shin Pokémon, le fameux épisode sur les Pokémon.
Donc là, sa casquette de Mantequilla, donc quand il était mexicain. Ça, c'est le masque du professeur Chaos avec sa couette, machin. Il doit y avoir. Là, c'est Mantequilla. Il doit y avoir ses costumes, il doit y avoir un costume ou deux dans quand il fait son clip, j'ai du coco dans mes fesses. Ça, c'est son masque de. Ah, je l'ai déjà vu avec ça, mais je ne sais plus quoi, je ne sais plus dans quoi. Ah, c'est vrai que je voulais vous dire des trucs et puis. Si j'oublie la moitié. La clé du garage. Encore une Okama Game Sphere, cool. Deux consoles. Teinture, ouais. Oups. Savon, ouais. Ok, on est parti. Ah oui, on peut pas passer par ici. Je voulais voir si j'étais en bas, si je voulais monter, mais non. Donc je dois passer par l'autre côté, donc là. Shinpokémon. Alors, la bouffe. Dégage. Timmy qui nous emmène où on veut. C'est gentil de sa part, on va y aller à pied. Ah, des elfes. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, you moved to the wrong realm. Nice hair, douchebag. Take that. Un peu dans l'idée officielle. Hop, ok. Ah, j'ai fait trop tôt. Ah, un souci avec les archers. Les attaques ennemies, les objets de pompe. Les deux peuvent appliquer des effets, machin. Come on! It looks bad. Here, take some of this magic cure potion. Donc, le soin magique. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded for raiding the apothecary's pantry like I did. Oh, le one shot. Ah, c'était repousse, d'accord.
Allez, dégage. I think I just found a new bottom bitch. Alors, 1, 2, 3 et 4. On est parti. Oui, ok. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Ok, pour que je sois ami avec. Tiens, on voit l'autre. Ah! Attends. Il n'y a pas quelque chose ici? Si, il y a quelque chose ici. Bonne ou mauvaise idée? Seul l'avenir nous le dira. What? Je peux passer. Donc, je peux passer. Well, there's a professor of astrophysics, that's a professor of neurobiology, that one's a lawyer, I think. He said he went to Oxford. Ah! Conclusion. Well, I don't like being pushed around. J'ai fait une erreur, hein. J'aurais peut-être pas dû... Non, si, c'est ça. Ow! Ah, peut-être pas venu dû venir, parce que je sais que... Ça doit être du haut level. Hey! That's not nice. Ah merde, j'ai pas vu. Ok. Wow. By the hammer of Zeus. Oh, come on. Well, I'm sorry. Ah oui, j'aime pas celui-là parce que ça l'énerve. That was close. They got me. Putain. Oh là là. Ouais, j'aurais pas venu, j'aurais pas dû venir. Non mais attends, c'est bon quoi. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû venir ici dès le début. 2. 3. Tout ça pour une vieille coupe de cheveux, potion de puissance, potion de puissance, potion de santé. Ouais. Teinture espèce. Ok, on se casse. Alors, ça c'est mon défaut, je fouille. Donc voilà. Ça s'est fermé.
Non, c'est pas là. Alors, potion, bombe à eau. Pour rentrer. Oh, madame, désolé. I'm actually faster at Facebook messaging than I am. There's a lot of walking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Ok, merci. Ah, je l'ai vu briller. On est tombé chez une dame qui était toute. Are you new? Hey, that means you don't know anything about me, huh? Qu'est-ce qu'il fait là? La coiffe du druide. Don't believe everything you read on Facebook, okay? On va regarder ça tout de suite. Ok, j'ai pas le level. There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back there. Ici, c'est fermé. Looking for Craig? Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guys first. C'est bien son genre, ça. Faire des doigts au principal. Bah oui, docteur, si tu n'es pas à côté de moi, je suis en train de taper sur. Il y a des robots, des machins, ouais. Ah, on est chez je sais plus comment il s'appelle. Kevin ou un truc comme ça. Ça c'est une petite petite quête pour avoir un ami. Chose qu'on fera quand je vais pas faire la quête spécialement pour lui. Mais... Si on passe par là. Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my mom. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder, it's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Voilà, en gros, il y a des quêtes comme ça, donc là c'est une quête. Une quête où il faut aller chercher son truc. Côté de l'église, qui se trouve ici. Chose que je vais pas faire, on fait la maison, on remonte. Et on ira. Je peux remonter là? Ouais, bah je vais remonter là, j'irai chez Token. On va faire ça, on va aller chez Token, on va aller chez Tweak, et puis après on fera le. Voilà. Hey,
Ah, j'ai pas encore le... Ça aussi, j'ai pas. Ok. Donc, on remonte. You will never get laid looking like that, kid. On peut pas remonter comme ça. Faut passer par là. You know you can die from a titty twister? Faut pas parler, madame. Ok. Hop. Stan one time gave me the grossest wet willy right here. Ok. Là, c'est pareil. Faudra que je revienne plus tard. Some kids gave me the worst pink belly over there one time. This is a gated... If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. I warn... Ah oui. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Sir, I'm a professional security guard. It is impossible to get past me. Ouais, on va faire ça. On va faire la... Allez, on va faire la quête de token. On va se dépêcher. Ok, comme ça c'est débloqué. Oh, y'a... Way bigger guys than you. Well, the new kid has. That didn't count. Ah! Sorry about this. Ça. On récupère ça et on est parti. Well, hello there, Jimbo and Ned. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thingy here. Alors, dans les armes. J'ai pas de niveau. Dans les équipements. Le masque à gaz. J'ai pas de niveau. Et le guide du chasseur que je vais acheter plus tard parce que c'est pour les quêtes on reviendra de toute façon. Die, asshole. Ah, c'est moi qui s'est fait. En fait, il va y avoir des quêtes annexes. Donc, il va y avoir plein de quêtes annexes et je vous propose qu'on fasse les épisodes hors série. 102 80 numéro.
Flèche. Il est en repousse là. Non, il est en truc. Voilà. Et tiens, je vais le suriner. Un point de vie. Donc oui, il va y avoir plein de petites quêtes annexes, genre ici, tout ça. Tiens, il y a un chat là. Ok. Et oui, je les ferai en hors-série. Après, on va se focaliser sur la fouille, mais sur l'histoire principale. Non, c'est pas ça. C'est ça. This is... What the fuck? Oh no! Please don't ask me, homie! Ow! Oh, je l'ai mal fait. Ah, pas mal de trucs ici. Perruque de token, bon, oh, ouais. Ah, donc là où il y a un. Ok. Ouais, ce sera pour plus tard, ce sera pour le. Ah, Shin Pokémon. Ce sera pour le 100%. Enfin, le 100%. Yeah. Ouais, can I help you? J'aurais dû enlever mon masque. What's this? Oh, the elf stick the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Je vais enlever ça. Ah, j'ai eu un bâton. Niveau 2. Plus fort, je frappe deux fois. En cas d'attaque parfaite, ça réduit la défense de la cible. Bon, on va mettre ça. Hein. Un coup de tonfa. Je vais remettre ça. Voilà.
Well, what the heck? I'm gonna get grounded anyway, you might as well. One shot. I shall smite thee. Voilà, on va se quitter ici pour le premier épisode. Je vais tourner le deuxième épisode dans la foulée, hein, comme ça fera un épisode. Will this snow ever melt? Comment dire? Je vais faire d'affilée de toute façon. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus tard, la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao les amis.